Bienvenue dans notre émission Yoga Asana. Nous allons faire une posture qui s'appelle squat. Beaucoup viennent le mot déplacer les pieds. Là, la posture là. Et me déplacer la main, couvrir mon lisier, couvrir mon front. Je veux dire, me plat la main, placer le mot front et mon lisier. Là, me plat les pieds, bien posé en bas. Sa posture là, lui renforce mon cheville, renforce mon tibia, travaille le genou. Sa posture là combat cran. Sa posture là combat cran. Sa posture là combat constipation. Mais ce combien bien fait mon dieu, combat cran, combat constipation, renforce cheville, renforce tibia. Et renforce genou. Et en coin me dire où les combat dizziness, combat vertige. Sa posture là combat vertige. Il est simple, mais c'est ma demande de préparation et de pratique jusqu'à arriver sa stase là. Et me connaît ou pour réussir à arriver sa stase là, parce qu'il y a une posture qui nous habitue à pratiquer, nous fait l'ouvrage en bas, nous demande travail qui nous fait en bas. Nous avons beaucoup de travail qui nous fait, qui est assis en bas. Alors, je pratique sa posture là pour gagner la productivité de notre travail. Quand on a un travail à faire en bas, on peut faire vite, vite. Maintenant, je sors de la posture, je tire mon plat à la main, je assise le bassin, je croise mon pied, je viens de Padmasana. Toujours nous besoin relax après chaque posture pour nous gagner le bienfait. Je fais mon lisier, je n'assieds pas de Padmasana pour me gagner bienfait sa posture squat là. Quand on finit relax, nous ouvrons le lisier, nous enjoy squatting. Nous remercions vous, mettez sa posture en pratique ou pour faire un ouvrage qu'il y a pour faire en bas. Merci.